Salut à tous, j'ai très envie d'aller questionner le symbolon parce que le symbolon il est fort. Alors habituellement j'utilise le livret parce que c'est vraiment un outil où on va chercher des problématiques et le livret est très très puissant dans les mémoires qu'il va faire remonter. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais l'utiliser en intuitif, ok, sur ce tirage. Maintenant, si vous avez le livret chez vous, je vous invite à aller voir un deuxième type de lecture. Je vous ferai un autre tirage avec le livret, promis, promis, promis. Donc, je vais voir un peu ce qu'il y a. On va voir la problématique qui est un peu importante pour vous en ce moment. Ce qui est en cheminement actuel et le bout du chemin, c'est-à-dire ce qui va être en lien avec la résolution en fait de la problématique. Et puis après on ira sans doute tirer d'autres cartes. On va voir comment ça s'articule. Alors, quelle est la problématique principale pour vous actuellement? Alors, j'en ai deux et en intuitif, ce que ça me raconte ici, on a un petit peu peur de la roublardise, de se faire avoir. Il y a un truc, peut-être chez vous, qui avait l'habitude de manipuler un peu afin d'arriver à. D'utiliser des stratagèmes afin d'arriver à vos fins. Et du coup, vous craignez en permanence qu'on vous fasse la même chose. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et en plus, c'est redoublé, le message est redoublé parce que moi, cette carte en intuitif, et ce n'est pas ce qu'elle veut dire nécessairement avec le livret, il y a vraiment l'idée d'essayer de s'imprégner au plus que l'on peut. Tiens, je vais hop, faire comme ça, de s'imprégner au maximum de tout un tas de magie qu'on pourrait mettre sur soi afin d'arriver à ses fins. Il y a vraiment une volonté d'utiliser des stratagèmes et ça peut être une grande problématique chez vous, ok? Parce que du coup, vous ne faites pas confiance. Vous n'avez plus confiance non plus en l'autre parce que vous avez systématiquement peur. Ça peut être des vieux schémas. Hein. Vous avez systématiquement peur qu'on vous la fasse, oh, j'aime pas ce mot, de travers, enfin bon bref, pas comme il se doit, pas avec honnêteté. Ok, donc vous êtes super vigilant. Et en même temps, vous savez que ça n'est pas la bonne façon de faire et vous le savez pertinemment. Vous aimeriez changer ça également parce qu'il y a une partie de vous qui vous observe en permanence en train de faire et qui vous désapprouve. Donc vous êtes un peu dans une forme de dualité difficile à accepter. Ok. Le chemin vers la solution concernant cette problématique. Alors moi, là, lui, ce qu'il me dit. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Hein. Il y a un grand cheminement qui vous amène vers une forme de lumière. Là d'où vous venez, cette situation-là, en vrai, elle est arrivée à sa fin. D'accord? C'était raide, c'était sec, c'était épineux, c'était aride, c'était pentu, c'était vertigineux. La vache, on s'arrête plus là. En même temps, il y a comme, depuis un certain temps, un recul qui a été nécessaire et que vous avez pris le temps de faire. Il y a vraiment cette notion prendre le temps depuis un certain temps d'en apprendre davantage sur vous-même, d'en apprendre davantage sur la vie, d'en apprendre davantage. Il y a comme eu des leçons. Alors c'est pas péjoratif, hein, c'est des expériences qui vous permettent d'ouvrir les yeux. Il y a comme un eureka d'aller vers plus vers plus de divinité personnelle. C'est pas égotique, hein. C'est vraiment l'idée, ok, d'accord, je comprends, ça va me permettre de mieux être en lien avec les situations, de mieux les appréhender sans être flippé, du coup sans me méfier et sans en faire des caisses pour arriver, je fais des bulles, à des résultats. Ok, donc mieux je comprends ce qui se passe, mieux je déjoue mes stratagèmes et j'arrête de mettre en place des tactiques pour arriver à mes fins qui font que j'ai l'impression que du coup tout le monde fait la même chose que moi et du coup je me méfie de tout le monde autant que de moi. Donc là on capte et du coup on va pouvoir véritablement métamorphoser les choses. Mais c'est comme si vous aviez
Vous êtes en train peut-être de passer par une phase un peu moins matérialiste, un peu moins je veux tout gagner, un peu moins je veux tout avoir, je veux tout séduire, je veux tout maîtriser, tout contrôler autour de moi. Non, maintenant j'accepte une forme de simplicité parce que j'ai vraiment cette volonté d'en apprendre davantage sur la vie et sur moi. Ça vous emmène où? Où? Ça vous emmène où? Alors, évidemment, c'est pas ça. Ça vous emmène justement à l'inverse de ça. C'est-à-dire que vous allez sortir d'une forme de solitude. Ça vous amène vers... Ouais, c'est magnifique. En plus, tu le vois. Enfin, je sais pas, je pense que tu le vois. Ça vous emmène ici, il y avait à sortir d'une forme de dépression. D'accord? Parce que cet état d'être qu'on avait au démarrage, ça ne vous plaisait pas. Hein. Parce que vous vous désapprouviez et c'était une dualité qui était difficile à vivre. D'où ce passage vraiment indispensable qui vous permet de sortir de cette espèce de solitude, cette désapprobation vis-à-vis de vous qui vous menait à une forme un peu dépressive, jugeante, sclérosante. Vous aviez pris un peu racine dans ce truc-là et là, vous allez sortir de ça afin d'aller vers justement cette lumière au bout de ce tunnel. Donc là, vous sortez de cet état-là et c'est vraiment le bout du chemin, ce qui vous permet en fait de vous retrouver. Vous êtes en capacité d'être avec l'autre et pas en méfiance des autres. Et vous êtes en capacité de regarder les autres avec beaucoup d'honnêteté, parce que vous êtes en capacité, vous avez fait ce travail de vous regarder avec honnêteté. On a le signe de la balance ici, je crois. Ouais. Et ici, c'est Vénus, je crois. Donc, il y a vraiment un apprentissage aussi vis-à-vis de l'amour dont on se méfiait ici. Ici, on est vraiment, c'était des tactiques, des trucs avec beaucoup de méfiance. Et là, vraiment, on sort parce que ça vous isolait complètement, ça. Hein. C'était vraiment sclérosant, en fait. Et ici, on sort de ça complètement. Magnifique. Magnifique. C'est comme si l'amour, en fait, pour vous, c'était une peur de mourir. Hein? Parce que ici, c'est le bout du chemin, vous y parvenez. On a vraiment peur d'y laisser sa peau. Hein? Et donc, du coup, on utilisait tout un tas de tactiques, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter d'autre? C'est très beau. C'est très, très beau. Oh, bon, ok. C'est magnifique. Ok. Oh, le dos de deck. Je sais pas, c'est peut-être pas la peine d'aller bien plus loin. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, vous faites un travail de dingue. Un travail de dingue sur la thématique du cœur, la thématique de l'amour, de l'accueil de l'amour, de l'accueil de l'autre, de l'accueil des autres. Voilà, maintenant ça circule. L'idée, c'est que vous avez vraiment envie que ça circule, tout simplement. Sans protection, on y va. On s'engage à y aller, quoi. Il y a une prise de risque, on a beaucoup moins peur de crever. Donc ça, c'est vraiment énorme, énorme, énorme. C'est magnifique. C'est un super beau tirage. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a un petit conseil pour vous aider ici. Soit dans ton enfant intérieur, dans cet espace solaire, de t'amuser de ce qui est, de t'amuser des expériences qui te sont présentées. Amuse-toi de ça, épanouis-toi. Tout est beau, hein, toutes les cartes sont belles. Je ne vous raconte pas de n'importe quoi puisque vous les voyez. Hein, ok, vous les voyez, je pense. Vous voyez tout. Voilà. Donc on y est là, on est vraiment dans une phase importante de réjouissance par rapport à ça, alors qu'avant c'était vraiment compliqué pour vous. Hein. C'était vraiment vraiment compliqué. Hein. Ouais. Donc le naturel revient, j'ai envie de dire, il y a une notion de naturel, là, d'aisance naturelle, de spontanéité et de... Oui, de spontanéité ici qui est très forte. Eh bien, il fallait qu'il sorte ce tirage. Hein. Dis donc, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et votre fidélité, les abonnements et les likes, tout ça. Je vous dis à très vite sur la chaîne et tous les jours sur Insta. Le lien est dans la description en dessous. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien.